Utile, d'accord. Ah bah ça marche, vous êtes arrivé 20 minutes en avance. Parfait pour nous d'avance, hein, tant que vous êtes là. Oui, c'est moi qui va vous tatouer aujourd'hui. C'est ça, c'est moi exactement. Bah super, bah non, j'avais pas d'autres clients, ça sonne en 20 minutes. Je sais pas trop ce que je pourrais faire. Ça marche, donc vous êtes venus sans dessin, c'est ça? D'accord, vous voulez qu'on le fasse ensemble? Ça marche. Non, y a pas de souci. Hein. Oui. Bah, je peux vous montrer quelques-uns de mes projets si vous voulez. Parfait. Alors là, on a la vague avec le soleil. Voilà. Celle-là, je l'ai fait sur un dos, en très grand, en 7 heures à peu près. Ouais, c'était rempli, ouais, exactement. Après, j'en ai d'autres, hein, vous inquiétez. J'ai celle-là, c'est un petit avion en papier relié par des pointillés. Ça montre un peu qu'on s'évade, etc. Moi, j'ai l'impression que ça me représente un peu la liberté. Ça, je l'ai fait où? Je l'avais fait sur un poignet et sur une cheville. Ouais, c'est ça, ça entouré en fait. Exactement. J'ai d'autres choses, attendez, hein, ne bougez pas. Je peux vous faire une petite banane. Je sais pas si ça vous intéresse. Enfin, après là je vous montre un petit peu ce que je sais faire, mais ce sera à vous de me dire ce que vous voudrez. Après on dessinera ensemble. Sinon j'ai une espèce de femme qui se fait retirer son âme en fait. Voilà, un petit peu plus sombre, celui-là j'admets. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Laissez-moi regarder. Tac 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 tac. Écoutez, non, c'est tout ce que j'ai. On dessine ça ensemble. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez un truc en précis? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez pas, peut-être? D'accord, est-ce que vous êtes plus animaux, plus humains, ou plus quelque chose de totalement différent? D'accord. Ça marche, ok. Une histoire vraiment, ce qui vous toucherait, ce que vous avez envie de mettre dessus, ce qui vous touche dans la vie, ce qui vous passionne, et moi je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Allez, ça marche, on y va, parti. Allez-y, parlez, hein. Moi je me préoccupe de faire le dessin. Ok, vous aimez plutôt ce qui est cool? Avoir quelques idées.
Allez-y, parlez-moi, parlez-moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça? Oh, super. Super, super. Vous appelez comment? C'est vrai, non, mais j'avais vu sur l'ordinateur tout à l'heure, mais j'ai totalement oublié. Ça marche. Alors, je commence à avoir quelques idées. Je vais pas tarder à vous montrer tout ça. Faire où d'ailleurs votre tatouage? D'accord. Bon, super, super, super. Et vous le voulez super gros ou pas trop gros? Comment ça se passe niveau taille? D'accord. Ça marche. Ça marche, ça marche. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait comme tatouage? Alors, juste avant, j'ai fait un cobra sur le dos d'un homme. Hier, qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai fait un petit soleil juste ici. J'ai continué un dragon. En ce moment, je suis sur un gros projet de dragon sur le torse d'un de mes plus fidèles clients. Ça fait déjà 15 heures de tatouage. Je pense qu'on en aura pour 27. Il y a beaucoup de détails en fait, beaucoup de remplissage. On peut pas en fait lui faire endurer beaucoup plus parce que c'est vrai que c'est tellement douloureux que il faut qu'il les dépose en fait, vous voyez. Bah oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Le plus long que j'ai tatoué, attendez que je me rappelle, je crois que c'était dans un salon. Et le plus long que j'ai dû tatouer, je pense que ça devait durer sans m'arrêter. 17 heures. Ouais, d'affilée, ouais. On a fait des petites pauses pour manger, des choses comme ça, mais pas de réelle pause. Pour l'instant, je vois quelque chose un peu comme ça, une sorte de fleur, de nénuphar. Ça vous va pour l'instant? D'accord. Je vais encore affiner un petit peu tout ça au fur et à mesure que vous me parliez.
Ça vous va? Allez, c'est pas si je mets ça à imprimer du coup. On est sûr. De toute façon, là, c'est le stencil. Hop, on met à scanner. Oui, après, on va décider d'où on le pose, etc. Parfait. Ok. Alors, attendez que ça sorte. Hein. Il faut le temps, autant, comme on dit. Il faut le temps, autant. Hop. Parfait. Le voici. Donc, hop. Vous le voulez ou un petit peu, dites-moi. Ok, parfait, on y va. Ok, je le pose. Ok, parfait. On va venir désinfecter juste après, vous inquiétez pas. Ça vous va là où c'est? Parfait. Pas super. Alors, je vais venir donc, hop, tout vous désinfecter. Très important. Je vais venir mettre mes gants. Hop, tac, tac. Alors, avant tout ça, laissez-moi juste regarder qu'il n'y a pas de problème dans le stencil. Si vous avez mal, vous me dites d'accord, on peut faire des pauses. Il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Up.
mais ça, ça va pas être très loin d'avoir enlevé beaucoup, vous avez bien vu. On y va. Ça va, ma plus mal, on est prêt. Allez, go. Ça s'enlève avant que l'encre s'est évaporée.
venez nous voir. Je vais vous en remettre un, d'accord? Je vais vous remettre un film. Mais très très important. Pendant un mois, pas d'exposition au soleil et l'eau, on va attendre cicatrisation totale. Donc à la limite, appelez-moi, envoyez-moi des petites photos. Venez me voir et je vous dirai à partir de quand vous pourrez vous baigner. Alors là, on est un peu dans l'idée, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, l'été prochain, vous pourrez crâner à la plage avec, ne vous inquiétez pas. Voilà, super, je peux faire une petite photo pour mettre sur l'Insta. Allez, ça marche. Hop, vous êtes prêts? Alors, bougez pas. Parfait. Je vais le mettre sur Insta. Le super client du jour. C'est fou, bien sûr. Hop. Oui, bah, l'Insta, c'est le nom du... Ouais, c'est ça. C'est ça. Youm Ink. Pour l'encre. Ouais, c'est ça. Parfait, tout parfait. Bah, c'est moi, Youm. Vu que c'est moi qui l'ai créé, je vous ai dit tout à l'heure. Exactement. Bon, bah, super, ça vous a plu. Parfait. Bah, écoutez, ça vous fera 90 euros, s'il vous plaît. Tenez pour payer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop, tenez votre ticket. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard, peut-être.